Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Et oui, 2 jours sans publier, et puis me revoilà, vous m'avez bien manqué. Bon, il me fallait une petite pause, puis me revoilà en forme, je l'espère, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Allahumma salli wa salam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui avec une belle vidéo bien motivante, comme vous les aimez. Et un petit déj bien copieux, parce que je le prends un petit peu plus tard, voilà, plutôt milieu de matinée, même fin de matinée. Puis là, j'avais envie d'un bon petit déj bien copieux pour ne pas manger à midi et manger plutôt le soir, voilà, vers 17h, 18h, comme ça, voilà. Et surtout parce qu'il m'attend une grosse journée, pas mal de tâches ménagères. Du tri, oui, encore du tri. Bon, normalement, les journées vont se rafraîchir, le temps va se rafraîchir. Il est temps d'enlever les petites tenues, tout ce qui est débardeur, t-shirt, etc. De les mettre dans des bacs et de sortir les vêtements un petit peu plus chauds.
Pour ne pas me retrouver avec beaucoup de vêtements et puis voilà, ne pas être débordée, pas beaucoup de vêtements aussi de partout, je fais vraiment étape par étape. La première des choses, c'est les bacs qui sont juste ici. Je les ai vidés, complètement vidés au départ et j'ai regardé, voilà, je fais le tri en même temps et je plie correctement et je mets par catégorie aussi et par enfant pour mes deux filles. Ensuite, ici, là, ça va être une pile à donner. Ici, ça sera les vêtements d'été. Je pense que j'en aurai deux. Parce que, ben voilà. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Et ici, ça sera les vêtements de la grande qui laisse pour la plus petite. Là, c'est du 5 ans. Ça n'ira pas du tout pour la plus petite. Je les laisserai ici à ce moment-là. Voilà. Et puis, les deux bacs, comme je vous ai dit, ça sera pour les vêtements d'été. Et vraiment, je fais petit à petit. Si je commence à tout sortir d'un coup et ensuite faire le tri, ben ça ne va pas aller du tout. J'avais besoin de faire le tri ici, dans les bacs, pour les vider, pour les remplir au fur et à mesure. Comme ça, ça m'évite de faire de travail. Voilà, j'ai juste maintenant à sortir les vêtements d'été. J'en ai ben, ici d'abord, dans leur commode. Voilà, tout ce qui est débardeur, parce que c'est déjà mis par catégorie. Je vais sortir. Les t-shirts manches courtes, pour l'instant, on va les laisser parce que, ben, mine de rien, il fait encore super chaud. Puis, de toute façon, ça peut leur servir en bas d'un petit pull. Voilà, ou avec un gilet. Voilà, je vais faire le tri, tout simplement. Comme je vous ai dit, par contre, les petits débardeurs, tout ça, voilà, je peux enlever parce que c'est vrai que, mine de rien, quand même, il fait bon, mais il fait un petit peu frais. Voilà. Et comme ça m'évite de sortir les vêtements d'été, les mettre par terre ou de les mettre sur le lit, etc., et d'en avoir de partout. Non, je vais remplir directement mes bacs.
J'ai commencé par retirer les vêtements dans la commode et je fais de même ici dans l'armoire, dans la penderie. Voilà, j'enlève vraiment tout ce qui est hyper léger, vêtements d'été. Bon, c'est vrai qu'il a fait super chaud là ces derniers temps pour un mois de septembre, fin septembre plus octobre. Mais voilà, j'enlève petit à petit. Je me dis comme ça, si toutefois il commence à faire froid. Et puis il fait bien frais hein, déjà le matin, fin d'après-midi, en soirée aussi. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais motiver comme ça. Je vais pas faire à la dernière minute parce que ben voilà, s'il commence à pleuvoir ou quoi, va falloir courir, enlever dans les bacs. Et puis voilà, je me suis dit là, mieux faire ça quand il fait encore bon. Voilà, comme ça, si j'ai des vêtements à laver, etc., je peux aussi les mettre à l'extérieur. Si toutefois vous vous demandez concernant les cintres enfants, alors moi je les prends à Centracor. Sinon vous en avez de partout. Mais là j'en ai vu là dernièrement sur leur catalogue. Il me semble bien le lot de 6, vous les avez à 1,99 €. Voilà pour 2 euros. Sinon vous avez des grands lots aussi sur Amazon. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Voilà, sinon dans les magasins, la Farfouille, BM, puis voilà, comme je vous ai dit, moi je les prends à Centracor. Ensuite, il est temps de remettre, plutôt de mettre les vêtements que j'ai sortis. Voilà, Jana a pas mal de petites salopettes, de petites robes en jean. Et je vais essayer aussi de délimiter les vêtements de la plus petite et de la plus grande. Je vais faire le contraire en fait. Voilà, pour justement mettre une petite séparation. Je vais pour la petite commencer par les vêtements, je dirais manches courtes, manches longues. Voilà, et puis finir avec, avec le reste. J'ai retiré aussi les robes. Je dirais de soirée ou les robes pour leur anniversaire qui prennent, n'empêche, pas mal de place dans leur petite penderie parce que ben voilà, elles sont bien bouffantes, tout ça. Et puis maintenant, il est temps de mettre de faire de la place pour les blousons, les parkas, les peignoirs aussi, les peignoirs de la maison, bien chauds, voilà, qui dont on aura besoin là très prochainement, je pense. Les compartiments m'aident énormément. Ils viennent de chez IKEA. Sinon, on peut mettre des petits paniers. Mais je trouve, voilà, comme c'est bien souple, c'est très bien. Par contre, l'inconvénient, je trouve qu'ils ne sont pas sur mesure avec leurs meubles. C'est vraiment bien dommage parce que j'aurais bien voulu. Il reste toujours des petits centimètres, en fait. C'est bien dommage parce que ben, comme ça, on aurait pu bien aller jusqu'au bout et utiliser en fait tout l'espace qu'il y a à l'intérieur. Bref, moi de toute façon, voilà, je vais bien utiliser tout l'espace. Je mets des vêtements un petit peu derrière. Mais voilà, c'est dommage puisque c'est vrai que ça aide bien au niveau de l'organisation. Comme ici, regardez, je mets vraiment par catégorie les ensembles. Ben, ensemble, les t-shirts, les pulls aussi. J'ai laissé quelques t-shirts manches courtes, comme il fait encore bien beau. Voilà, il fait super bon, surtout l'après-midi. Et c'est vrai que, regardez, c'est dommage. Là, au fond, ça ne va pas ben, comme ça devrait être. Et il y a toujours des centimètres en moins. Mais bon, franchement, sinon, ça aide bien.
Pour la petite, j'ai pas fait, j'ai laissé comme ça parce que j'en avais pas assez. Voilà. Et puis ici au niveau de l'armoire, je vais ranger plus voilà leurs pyjamas. Au fond, je mets les pyjamas bien bien chauds. Je pense que là, non, c'est pas encore le moment. Mais je pense que ça, on va pas tarder, hein. Je pense bien qu'on va pas tarder, qu'on va pas rester comme ça. Malgré que franchement, n'empêche, voilà, on se plaint qu'il fait super beau encore là pour la saison. Mais au moins c'est agréable, on peut s'habiller, on peut sortir, se balader, etc. De toute façon, on n'est jamais content, quoi qu'il se passe, et en toute saison. Dans pas longtemps, on va se plaindre de la pluie, du froid, etc. Bref, je fais de même pour la petite et comme vous pouvez le voir, en avant, bien sûr, je laisse leur pyjama en coton, voilà. Et j'ai pas mal de linge, voilà, qui m'attend en bas, que le linge est lavé et que je dois plier. C'est pour ça que c'est assez light par moment, mais j'ai pris une grande, grande décision. Et ça, depuis déjà un moment. Voilà, je veux vraiment être minimaliste. Et pour tout, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les vêtements, pour les enfants, pour moi-même. Voilà, je me dis qu'elles ont assez de vêtements comme ça. Et puis, elles sont. Voilà, les enfants, c'est petit, hein. Ça grandit hyper vite. Ça sert à rien d'investir dans plein de vêtements. Voilà, et puis moi, je vous l'ai toujours dit, hein, je ne m'en suis jamais cachée. J'ai de la chance, voilà, que ma soeur me donne des vêtements. Je fais de même dès que ça va plus à la plus petite, ou même pareil pour mon fils. Et eh ben, je donne. Voilà, je donne ce qu'il est. Et ben, ensuite, moi, je suis contente parce que ben, j'ai fait une bonne action, alhamdoulilah. Et aussi, puisque ben, j'ai un gain de plein, ça sert à rien de s'attacher sur du matériel ou sur du vestimentaire. Mieux donner. Il est temps de fermer les bacs. Voilà, ils sont bien remplis. J'ai quand même de l'espace, je ne veux pas trop les remplir non plus. Je verrai de toute façon au fur et à mesure parce que j'ai encore des vêtements en bas, voilà, qui me restent à plier et à ranger. Je ferai ça plutôt en fin de journée. J'ai besoin d'espace aussi dans la chambre, alors je les ferme là tout de suite. Elles sont vraiment, vraiment bien ces boîtes, hein. Et ici, finalement, j'ai pas grand-chose à laisser à Rayana pour plus tard. Alors j'ai décidé, voilà, de mettre les vêtements, je dirais les vêtements un petit peu plus festifs, à ranger aussi. Là j'ai une pile à donner et voilà, il me reste maintenant plus qu'à ranger les grosses chaussettes, les nouvelles chaussettes, les gants, etc. Tout ce que j'avais déjà rangé pendant l'été. Et oui, là, je suis tranquille. Vraiment, je suis bien tranquille parce que je me suis avancée. Voilà, ça, c'est trop, trop bien. Je vais pouvoir mettre les gants à part, bien entendu. J'ai mis un bac juste ici avec les nouveaux bonnets que j'ai pu acheter. Il faut que je récupère les autres aussi, les laver bien sûr avant. Une fois qu'ils seront secs, je pourrai les rajouter. Ici, les petites écharpes, là c'est pour maintenant, pour le matin. Les gants, je les ai mis ici. Puis là, c'est une capuche à ma fille. Faudra que je lui mette. Et les chaussettes pour la maison, les grosses chaussettes. Quand il fera froid, pareil. Pour l'instant, je vais les mettre ici. Et voilà, tout est rangé. Ici, finalement, j'ai mis les collants fins pour maintenant, parce que c'est des petits rangements. J'ai pu les caler ici et pareil pour la plus grande.
Bon, faut croire que j'aime le danger. Je mets ici les jouets que elles ne doivent pas, voilà, prendre, je dirais, toute seule. Encore Jana, elle range de plus en plus. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais c'est plutôt Rayana. Voilà, c'est Rayana. Elle peut prendre, elle peut mâchouiller, elle jette à la poubelle, etc. Et je crois bien que ce puzzle n'a plus 99 pièces. N'a plus 99 pièces. Mais bon, voilà, ils sont petits, c'est comme ça. Alors, je mets ici. Voilà, là, c'est toutes les pochettes que reçues pendant soit leur anniversaire, soit beaucoup, beaucoup pour leur naissance. Voilà, je vais mettre tout ça ici. Je vais ranger. Regardez, encore un puzzle fermé. On fera ça normalement très bientôt. Celui-ci, on l'a déjà fait plusieurs fois. Jana, elle aime beaucoup le faire. Ça aussi, j'avais ça depuis longtemps. Il est complet. Je suis bien contente parce que, pareil, je l'avais mis de côté, mais dans leur bac à jouets. Et Jana vient de le faire. Elle comprend, voilà, de plus en plus. Et je suis bien contente. Voilà, tout ce que j'avais déjà acheté, je le mettais en hauteur. Ben, j'ai envie de leur donner des responsabilités. Voilà. Elles ne doivent pas prendre toutes seules, elles doivent demander. Et puis, moi, je dois être avec elles, ben, pour les accompagner et faire ensemble. Voilà. Il y a une petite ceinture qui pendouille. Voilà. J'ai autre chose peut-être. Parce que c'était là. C'était ici. Voilà, je mettais en hauteur. Et bah, j'ai envie de leur donner des responsabilités. Quand maman dit qu'il y a quelque chose, il faut l'écouter, puis c'est tout. Voilà. Je mets vraiment tout ce qu'il ne faut pas toucher ici. Il est temps de faire à manger et un tagine express qui est bon, qui a du goût et que tout le monde aime. Je commence par mettre mon huile. J'ai quelques tomates et j'ai utilisé le Thermomix. Voilà, parce que j'ai mixé avec la peau. Hyper fatiguée, je n'ai pas le temps même pas d'éplucher mes tomates. Voilà, faites-le avec des tomates fraîches pendant que c'est encore un petit peu la saison. Parce que je trouve, voilà, que c'est pas du tout le même goût. Ça a pas du tout le même goût avec des tomates concassées en boîte ou même de la purée de tomates. J'ai 3-4 tomates que j'ai bien mixées avec la peau. Bien sûr, on les lave bien. J'ai mis aussi 2 gousses d'ail. Je rajoute du persil et de la coriandre. Je mets mes épices. Comme la charmoula de poisson, parce qu'on va faire avec des crevettes, c'est-à-dire du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et un petit peu de cumin. Je rajoute une cuillère à café de tomates concentrées pour lui donner un petit peu de couleur. Et puis de toute façon, plus ça va cuire, plus ça va prendre de la couleur. Là, comme c'est bien mixé, vous voyez, c'est plutôt clair, mais ça va bien prendre de la couleur. On mélange et puis on laisse sur le feu. Bien sûr, le tagine toujours à feu doux, même si c'est un tagine express, pas la peine d'aller plus vite que la musique. Regardez de vous-même, plus ça cuit, plus on retrouve la belle couleur de tomate. Rajoutez pas de l'eau parce que quoi, un tout petit peu, comme j'ai pu le faire pour récupérer les tomates se mixer au fond de la cuve du mixeur, mais vraiment c'est très léger parce que les tomates, voilà, rentrent déjà de l'eau. Je laisse un petit peu cuire et je rajoute mes crevettes parce qu'elles sont déjà cuites. Voilà, c'est des crevettes roses. Si vous allez rajouter des crevettes crues, des crevettes grises, à ce moment-là, vous pouvez les rajouter dès le départ. Ensuite, j'attends quelques minutes. Vraiment, c'est très rapide, histoire de allez, 3-4 minutes et le temps que ça réduit un petit peu. Voilà, on met comme ceci le couvercle, c'est-à-dire pas complètement dessus, on laisse un petit peu
un espace pour que la sauce réduise. Et voilà, le tagine est prêt. Je vous ai dit, c'est vraiment express. Il y a pas mal de sauce, c'est fait exprès parce qu'il me reste du riz et que mes enfants aiment bien mélanger avec le riz, moi aussi d'ailleurs. Mais là, cette fois-ci, j'avais plutôt une envie de saucer. C'est super bon. Alors, laissez comme ça, à mélanger avec du riz, en mettre voilà, un petit peu par-dessus. Ou vous pouvez casser aussi un ou deux œufs. Et puis, c'est juste excellent. Bon appétit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt, Inch'Allah.